c'est un cours qui est, si vous voulez, basé sur l'idée suivante, c'est que l'histoire du cinéma s'écrit avec le cinéma. C'est le cinéma, c'est-à-dire la vision des œuvres, qui permet d'écrire l'histoire du cinéma. C'est-à-dire la connaissance du cinéma se fait par le cinéma. Le reste, c'est des commentaires. Donc je vais faire un cours qui est basé sur la projection avec des commentaires. Un cours qui s'adresse surtout au grand public, au profane qui veut s'intéresser au cinéma. Oh non, je ne m'adresse pas plus au profane qu'au grand public, qu'au savant ou qu'au non-savant. Et c'est simplement un cours, puisque nous sommes dans une université, qui s'adresse aux gens qui veulent étudier, connaître et approfondir la connaissance du cinéma. Est-ce que ce cours portera sur le cinéma français seulement, ou d'expression française, ou sur le cinéma en général? Non, sur le cinéma français. On m'a bien précisé les limites. Il porte sur le cinéma français. Monsieur Langlois, je crois que ce n'est pas votre première collaboration avec l'Université Sir George Williams. Non, nous avons commencé à travailler avec Sir George Williams en tant que cinémathèque, alors il y a un an. Ce qui fait qu'on dit qu'il y a ici une très importante concentration de films français, je crois. Il y a actuellement à Sir George Williams une très importante concentration de films français. J'espère qu'on va la renouveler sans arrêt.